Tout le plaisir a toujours été pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux, vous qui nous suivez et ne cessez de regarder sur leurs pas. Aujourd'hui, nous sommes sur les pas et les traces de quelqu'un de particulier. Enfant de la maison, formé par ses couleurs, prêté dans un autre club pour 3 saisons, quand il rentre, il éclot. D'abord attaquant, milieu de terrain, et finalement, il a fini par rentrer dans un cercle très fermé des footballeurs de la République démocratique du Congo. Notre invité du jour, c'est au moins 12 titres en tant que joueur sur terrain, mais aussi 15 autres titres. 15 titres en tant qu'entraîneur. Mesdames et messieurs, ce soir, pour vous, nous recevons Monsieur Pamphile Niayo, l'entraîneur de la République démocratique du Congo, NIC, a jusque-là avoir gagné un trophée sur le continent africain. Vous comprenez donc l'intérêt que nous avons pour lui. Coach, merci d'être avec nous sur le plateau de Sur leur pas. Bonsoir et merci Christopher. On l'a annoncé tout à l'heure, dans votre carrière, vous êtes formé au sein du tout-puissant Mazembe Anglébert, jeune joueur que vous étiez, parti au sein des Salésiens de Don Bosco. Finalement, vous gagnez un temps de jeu et ça vous permet de revenir au sein du TP Mazembe Anglébert. Justement, oui, Christopher, comme tu l'as dit, j'ai fui joueur formé dans ce club-là, le tout-puissant Mazembe Anglébert. Et en étant trop jeune, on a connu un peu de difficultés pour monter dans l'équipe première. Et voilà ce qui m'a poussé à me déplacer, à aller juste à côté dans l'équipe de Don Bosco pour faire au moins ces 3 saisons-là et avoir beaucoup de temps de jeu et revenir dans Mazembe un peu plus fort. Vous rentrez un peu plus fort, mais avant de vous stabiliser comme la tour de contrôle du milieu de terrain, on vous a quand même un petit peu changé des postes sur le terrain avant finalement d'être un milieu récupérateur incontournable. Justement, oui, parce qu'avant, j'étais attaquant de soutien, donc numéro 10, comme on appelle souvent ici chez nous. Donc, je jouais à ce poste-là depuis le bas âge. Je suis allé chez Don Bosco, j'ai continué à jouer à ce poste-là. Et de mon retour dans cette équipe de Mazembe, effectivement, c'était toujours en attaquant de soutien. Et après, j'ai compensé à plusieurs postes jusqu'à me retrouver en défense centrale. Ça n'a pas dû être facile pour vous, hein. Milieu de terrain incontournable, finalement, défenseur central. Il a fallu d'autres capacités que le talent du footballeur pour aller vous imposer. Justement, ça n'a pas été facile. Vous savez, être attaquant ou milieu de terrain offensif, tout cela demande beaucoup plus de qualités physiques et aussi des qualités techniques. Donc, comme moi, j'étais aussi technique, comme les quelques-uns que vous connaissez dans ce pays. Donc, et après, comme j'ai dit, il fallait compenser, comme on avait un petit souci en défense centrale. Donc, on a pris cette décision ensemble. C'était la vision tout d'abord du chairman Moïse Katumbi Chapwe qui a dit que non, lui, il peut bien faire ce poste-là de défenseur central, 4 ou 5. Il peut le faire bien parce qu'étant déjà numéro 6, donc un milieu défensif, on peut faire facilement ces postes-là. Et après, on a échangé ensemble. Et puis bon, c'est vrai, je me suis dit, mais putain, je peux faire ça parce que c'est le même rôle pratiquement avec un milieu défensif. Donc, je peux jouer. Et voilà, je suis rentré en défense centrale. Et j'ai joué toutes mes dernières saisons en tant que footballeur chez Mazembe comme défenseur central. Les aînés s'en vont et finalement, c'est vous qui arborez le brassard de capitaine. Ça, c'était une charge supplémentaire ou un moyen pour vous de vous dire « on me fait confiance dans ma maison, j'ai plus à donner ». Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que donner le brassard à un joueur, donc c'est une responsabilité en plus. Et aussi, ça dépend du comportement du joueur. Le seul titre qui vous a échappé en tant que joueur, c'est celui de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, la RDC avec vous ne l'a jamais remporté, mais l'édition expérimentale du championnat africain des nations, vous le gagnez aussitôt, Pamphile Niayo, avec à l'époque au minimum 9 de vos coéquipiers sur le terrain. Cette expérience-là, vous pouvez nous en parler un petit peu.
Justement, oui, la CAN, je suis passé à côté. C'est vrai, j'étais à chaque fois présélectionné, mais bon, dans l'effectif, autant de joueurs présélectionnés, les stages par-ci par-là, mais je n'ai pas eu cette chance de jouer beaucoup de matchs dans l'équipe nationale A. C'est vrai, j'ai joué quelques matchs, mais bon, pas beaucoup, pas Pas comme vous beaucoup. l'auriez voulu, au Non, fait. non, non, pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça, c'est tout à fait normal, mais sauf que j'ai été heureux tant que, et je suis heureux tant que footballeur, j'ai gagné quand même des trophées, j'ai joué les hauts niveaux. En gagnant le CHAN, la Tournoi de première Cannes. édition, nous l'avons gagné, comme je l'ai dit ici, là, que nous avions une très bonne équipe à cette époque-là, et avec l'entraîneur Santos Mutubile. On a raflé le championnat national avec lui sans défaite. Et lui qui était l'entraîneur de l'équipe du CHAN de 2009, ben, il a préféré, et c'est tout à fait normal, il a préféré prendre la majorité de Des bons joueurs qu'il joueurs. connaît, qu'il a l'habitude d'entraîner, qu'il connaît vraiment un par un. Il a préféré prendre un grand nombre et il a complété avec les autres joueurs des autres clubs qui n'ont pas été aussi mauvais, qui ont aussi apporté quelque chose. Et aussi, donc je crois que ça a été un bon parcours tant que footballeur et jouer aussi la Coupe du Monde des clubs. Oh, J'allais en arriver c'est là. Vous avez vraiment. évoqué l'Inter de Milan. Vous jouez une finale de Coupe du Monde de club. C'est le premier palier, en tout cas le haut niveau qu'un club africain n'avait jamais atteint à l'époque. Parlez-nous un petit peu de cette finale. Est-ce que vous étiez crispé en montant face à l'équipe d'Internazionale Milano, Diego Milito, Samuel Eto'o, si je ne me trompe, il y avait Souley Mountari aussi qui était sur le terrain. En face, il y avait une équipe costaud de Mazembe. Toute l'Afrique est restée sur sa soif quelque part, en voyant que cet épée Mazembe-là était, entre guillemets, pour la plupart, on ne peut cochonner sur la pelouse. En tout cas, les commentaires des internautes, c'était que Mazembe n'était pas, l'arbitre n'avait pas Mazembe à la bonne dans ce match. Justement, vous savez, c'était compliqué par rapport au plan, je peux dire au plan de la FIFA. Donc, Mazembe jouait cette compétition-là et arriver jusqu'en finale, eh bien, ce n'était pas donné à tout le monde. Et nous n'étions pas vraiment stressés, frustrés, parce que ce n'était pas la première. Nous avions déjà joué Une année une auparavant. avant. C'est vrai, on a été éliminés prématurément, mais bon, ça nous a donné ce goût-là. Et tu sais, en jouant en face de toi contre de grands joueurs sur le plan mondial, une grande équipe au niveau mondial, c'est pas donné à n'importe qui. Et c'est ce qui nous avait beaucoup plus motivés et qui a fait à ce que nous puissions jouer sans pression, sans stress. Parce que nous savions déjà que non, voilà, on joue Inter de Milan, il n'y avait que des grands sur le terrain. Et bon, nous nous sommes dit aussi, bon, nous sommes Mazembe, nous sommes grands sur le plan continent africain, nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Ce qui a fait que nous puissions jouer ce match-là de la finale. Bien sûr, nous l'avions perdu par 3-0, mais bon, C'était c'est une presque finale de Coupe pareil. du Monde des clubs. C'était une finale de la Coupe du Monde des clubs champions. Et vous savez, l'Inter de Milan a déjà joué le grand club du monde et a déjà battu C'est le ce champion genre de de score. l'UEFA, champion Ce de genre foot de aussi. score. Donc, c'était pour Il nous un très grand plaisir de jouer contre y a cette quand même grande les propos de formation. Samuel Eto'o qui ont dû vous faire chaud au cœur, vous l'affronter, mais il est tout content de voir le TP Mazembe à ce niveau. Il était tellement content et heureux parce que c'est un joueur de haut niveau. Il doit donner le maximum de lui-même. Il doit marquer des buts, il doit faire des passes, il doit jouer, il doit donner à 100%. Il n'a pas négligé pour dire que non, Mazembe, bah, c'est quoi cette histoire? Mais non, il a joué contre ses propres frères et il a marqué, il a été au four et au moulin sur ce match-là. Donc, Et après, il est venu et aussi vous après, voir après le voilà. match, il est venu Et voir tout le monde. après, nous étions ensemble, nous avons parlé, nous avons échangé, on a pris des photos. Il était content de voir une des équipes africaines jouer la finale de la Coupe du Monde de club contre lui, en plus, contre lui. Donc, ça lui a fait du bien. Et
Après, bon, il a parlé, il a échangé avec le patron du TP Mazembe. Ah, il y a Ministre Toumbi qui l'a quand même amené En ici, parenthèse, dans Samuel leur Eto'o, au pays projet, avec Gianni Infantino. justement, oui. Justement, oui. Et même là, quand il est arrivé pour jouer ce match-là de gala, donc, Ouais, des 80 ans du TP. il était épaté du public qu'il y avait dans ce stade, les infrastructures que nous avons, nous, Mazembe, ici en Afrique. Donc, ça lui a fait du bien. Et je crois que, et même quand il est reparti de Lubumbashi, il a été content. Changement de vie, après vient le moment d'opérer chaque jour des choix difficiles. Qui va monter sur le terrain? Qui va rester? Vous gagnez quand même des trophées. Vous en gagnez beaucoup des trophées. Me revient là sur place comme ça en tête les trophées de 2013, 14, 15, 16, 17 de la Ligue nationale de football avec une équipe qui était à la croisée des chemins. L'entraîneur jeune arrive. Il faut avoir un mix entre les anciens qui sont en train de partir et les nouveaux qui vont arborer les noirs blancs pour des longues années. Du coup, sous votre aile, il y a des joueurs tels que les Chico Oushindi qui vont prendre de l'ampleur. D'autres sont même partis du pays. Jonathan Bulingui Mpangi, on parlera de Merveille Bopé Bokadi. Mazembe est devenu le vivier des jeunes talentueux. Pour vous, ça vous a facilité un petit peu les choses ou c'était carrément difficile pour vous aussi à chaque fois d'avoir des joueurs d'un niveau presque pareil et faire un choix? Moi, je crois que c'était pas facile, c'était difficile, très difficile même. Très difficile, pourquoi? Parce que tu as les anciens. Hein, les anciens, on ne veut pas dire qu'ils sont vieux, non. Les anciens qui ont Ceux qui quand ont même, précédé au club. voilà, qui ont précédé au club par rapport aux jeunes qui arrivaient, par rapport aux autres joueurs qui venaient de gauche à droite. Moi, je crois que c'était vraiment très difficile pour faire le choix. Qui mettre sur le terrain? Qui mettre de côté? Qui mettre dans le gradin? C'était difficile et compliqué. Parce que pour moi, je me suis toujours dit, à chaque fois, à chaque saison, c'était toujours du nouveau. Parce que tu joues cette saison, tu as tel, 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 tel. En cours de saison, il y a trois qui partent. Tu dois former des joueurs. Tu dois former des joueurs. Tu dois prendre de jeunes. Tu dois donner confiance. Tu dois mettre une philosophie que tu veux dans ces jeunes-là et dans les anciens. Parce que ce ne sont pas les mêmes. Donc tu dois donner de nouvelles directives à ces jeunes-là qui arrivent, leur redonner la motivation de jouer, et en plus, aux côtés de qui? Aux côtés des anciens qui sont grands, qui ont des Qui ont fait titres, l'histoire du qui ont club. fait l'histoire On du va prendre club. l'exemple C'est de pas Jean facile. Cassou-Soula qui a joué avec vous la finale C'est pas de la Coupe facile. du Monde des C'est clubs, pas facile. champion d'Afrique avec vous au CHAN. C'est énorme qu'on se retrouve face à ces joueurs. Je t'ai dit, ce n'était pas facile, mais bon. Par obligation, on doit faire un choix. On doit faire un choix. C'est 11 joueurs sur l'heure de jeu et c'est 7 sur le banc de réserve. On doit faire le choix. Et c'est vrai, c'est difficile. Tu vois, tel, je dois mettre à côté, tel, je dois mettre sur le terrain, tel doit aller là-bas. C'est compliqué, mais bon, on est obligé de le faire. Donc, on doit prendre des responsabilités, on Et des doit prendre risques. des décisions et des risques. Ça passe ou ça casse. Tu fais le choix. Tu gagnes, ah, tant mieux. Et tu perds ou tu fais un match nul, tant pis pour toi. Et c'est tout le Et les monde choix qui tombe sur ta tête. de Pofil Miayo Bah ouais. ne semblaient toujours pas à un moment du goût des supporters qui visiblement en voulaient beaucoup de là où vous êtes sur le banc. Est-ce que vous sentez aussi cette pression du, comment on appelle, du 12e homme, le supporter? Si la pression des supporters était là toujours. Quand ça tourne mal, la pression est C'est là. vous le mauvais. Et ouais, c'est vous les mauvais, mais quand ça tourne bien, ah, vous êtes le meilleur. Et c'est comme ça. C'est comme ça, on est habitué à ça. Et on sait, ça sera pareil durant toutes les années qu'on va passer comme entraîneur. Donc ça sera pareil. Quand ça tourne bien, bravo. Quand ça tourne mal, oh là là, c'est l'entraîneur. Et tu dois toujours travailler sur ça pour reconstruire encore une autre équipe, préparer une autre équipe par rapport
à la prochaine rencontre. Parce que les matchs, il y en aura toujours. Tu gagneras, tu perdras et tu feras aussi des matchs nuls. Ça, c'est logique. Alors, en tant qu'entraîneur, le titre mémorable pour vous, entraîneur du TP Mazembe Anglebert, quel est ce titre-là qui vous a marqué? On rappelle, amis téléspectateurs de Sur leur pas, que Pamphile Mihayo est à ce jour le seul entraîneur de la République démocratique du Congo à avoir évolué avec un club au niveau local et gagné au moins un trophée africain. C'est clair. Entre la Lina Foot, le championnat national et le trophée africain. Qui vous met carrément de plein pied dans l'histoire du football. Moi, je crois que c'est le trophée de la Coupe de la Confédération qu'on a eu à gagner avec Mazembe, avec tous les joueurs que je remercie encore en passant parce qu'on a tous fait l'histoire. Et moi, l'entraîneur et les joueurs, ils ont encore rajouté des trophées sur ceux qu'ils avaient déjà tant que joueurs. Donc, moi, je crois que c'est ce trophée-là qui est le meilleur jusque-là. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo revisite ses structures. Du côté de A, il y a un changement. Du côté des A' aussi, un changement. C'est Pamphile Mihayo qui a appelé par la Fédération congolaise de football pour diriger aux destinées de la République de la RDC, des Léopards, lors du championnat africain des nations qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Comment avez-vous accueilli la nouvelle, Pamphile Mihayo, quand l'on vous annonce que vous êtes nommé entraîneur principal des Léopards A' de la RDC? Comme tout le monde, c'était un sentiment de joie, J'étais content, j'étais heureux, tout simplement parce que je me suis dit que c'est par le travail que je suis en train d'abattre, c'est ce travail-là qui a fait assez que la Fédération congolaise de football, association, puisse me donner cette équipe-là, cette équipe nationale A'. Donc c'est par ça, c'est par le travail. C'est pas tombé du ciel comme ça. Donc j'étais content par rapport à ça et je me suis dit que voilà, le travail que je suis en train de faire avec Mazembe, c'est quand même un bon travail. Voilà, la récompense est là. Vainqueur de la Ligue nationale de football, 4-5 années de suite, ça c'est un avantage pour vous en termes de sélection des joueurs à amener dans votre équipe nationale. Sur votre petite liste, vous aviez déjà une idée de qui devait venir avec vous? Si, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai été nommé à la tête de cette équipe du CHAN, c'est vrai, on était encore en plein championnat. On avait déjà des idées, on avait déjà une liste. Et moi, bien sûr, avec mes adjoints, on avait déjà une liste. Et tout d'un coup, cette pandémie de Covid est arrivée et ça a tout bougé. Et là, présentement, le championnat vient de reprendre il n'y a pas longtemps. Donc, on regarde encore. On est en train de regarder. Parce qu'on doit prendre deux joueurs par rapport à la forme du moment. On ne peut pas se référer toujours à la liste qu'on avait faite avant. Non, non, on doit voir le présent, la performance de joueurs. Et c'est par rapport à ça qu'on va faire le choix de joueurs. Vous augmentez des galons avec l'équipe nationale, mais c'est un peu frustrant parce que vous ne pouvez pas en même temps assumer correctement votre rôle d'entraîneur principal du tout-puissant Mazembe Anglebert et surtout que le CHAN devait arriver, vous êtes obligé de partir. Donc Pamphile Mihayo est obligé de céder son fauteuil pour avoir la possibilité d'entraîner l'équipe nationale. Des regrets quelque part? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de regrets. Parce qu'on a laissé le fauteuil de l'équipe de tout-puissant Mazembe, il n'y a pas de regret. Je reste et je resterai toujours Mazembe. Et je suis là, j'avais dit même avant que je serai toujours avec vous. Ne pensez pas que j'ai des regrets, j'ai des soucis, non. Pour moi personnellement, quelque part c'est un ouf de soulagement, quelque part. Quelque part, un ouf de soulagement, ça vous permet De retravailler un peu. De reculer un peu, de travailler, de revoir un peu le matière, et puis de repartir encore sur un autre souffle.
coach David passe. C'est finalement avec Carteron que vous apprenez. Ensuite, il y a Hubert Velude. Ça vous fait quand même un bagage de l'expérience de travailler avec trois entraîneurs différents comme ça au sein de votre équipe, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Justement, oui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand la mine est partie de chez Mazembe, c'est moi qui suis a pris les resté rênes pour commencer. Responsable du staff technique, ouais. Bien sûr accompagné de papa David Mwakasu et des autres membres du staff qui étaient là à cette époque-là. Donc, j'avais déjà pris la commande et j'avais déjà joué une partie du championnat en gagnant pas mal de matchs. Et après, Patrice est venu quand nous sommes allés jouer contre l'équipe de Musulman en match retour. Ouais. Parce qu'ici à Lubumbashi, nous les avions battus par 4-0. Ouais. Et après, il fallait faire ces matchs retour-là chez eux. On est allé là, c'est là où Patrice est arrivé. Et puis, on s'est qualifié et après, il a pris le relève. C'est vrai, travailler aux côtés de ces grands entraîneurs, et ça m'a donné encore beaucoup plus d'expérience et ça m'a beaucoup plus fortifié pour que je puisse me tenir debout dans ce métier d'entraîneur. Alors, il a fallu que vous soyez droit dans vos bottes parce que vous avez finalement, comment je pourrais dire, les étoiles, les galons du général. Face à vos anciens coéquipiers, il faut être intransigeant, il faut faire des choix. Et il y a des jeunes qui arrivent, qui ramènent de la concurrence. Ça, c'était quand même quelque chose de particulièrement difficile à vivre pour vous. Si, ce n'était pas facile, ça n'a jamais été facile. Diriger, coacher, entraîner ses anciens coéquipiers, ça n'a pas été facile. Tu t'imagines, à cette époque-là... Robert, qui est aujourd'hui dans le staff, était mon joueur. Mmh. Tu imagines? J'ai gagné avec lui des trophées. Donc, il y a Jean Kassoussou là aujourd'hui qui est dans le staff technique. Il y a Trésor Mputu qui continue à jouer aujourd'hui. Patou Kabangu qui sont encore là dans cette équipe de Mazembe. C'était pas facile, mais il y a quelque chose. Je leur avais juste demandé qu'ils puissent m'aider. Qu'ils puissent m'aider et ils l'ont fait. Voilà pourquoi on a eu affaire de merveille. Parce que tous ces jeunes-là qui arrivaient, c'était eux qui étaient les premiers à prodiguer des conseils à ces joueurs-là. Ils étaient mes valables représentants devant ces joueurs qui arrivaient de partout. Et même ces jeunes qu'elles ont récupérés dans nos clubs de la place, quoi, de la province du Grand Katanga. C'est des images? Eux sont devenus des images pour les jeunes qui arrivent dans l'équipe. Ça vous aide certes sur le terrain, mais il y a un petit peu un souci de conflit de génération qui s'installe un peu plus tard avec les jeunes qui arrivent, soucieux très vite de monter sur le terrain, de remplacer les autres, alors que chez vous, l'on sentait l'envie de leur donner du temps de mûrir parce que lancer des jeunes joueurs immédiatement sur le terrain, c'est les griller devant les supporters au risque de faire couler leur carrière. Justement, oui, parce qu'il faut savoir équilibrer l'équipe. Ce n'est pas à dire qu'un jeune qui arrive aujourd'hui, tout de suite, il doit prendre la place de l'ancien. À moins que cet ancien-là soit moyen, ne soit pas performant. Si l'ancien est encore performant, moi je crois que c'est mieux de garder cet enfant-là sur le banc et mollo, 20 minutes, 30 minutes, et après jusqu'à ce que... il aura tout le temps pour commencer des matchs parce que vous savez, Mazembe, c'est pas un petit club, c'est un club très exigeant. Très exigeant, par rapport au résultat. Le résultat, tu dois tout gagner. Tu joues Barcelone aujourd'hui, tu dois gagner Barcelone. Tu joues Real, Inter de Milan, Bayern, tu dois gagner. Personne ne peut accepter que tu puisses perdre contre ces grandes équipes. Du monde. Donc voilà, il fallait garder tout l'effectif et surtout instaurer une bonne ambiance dans le groupe. Il fallait garder l'équilibre du groupe, de l'équipe. Voilà pourquoi je faisais tout ça, faire jouer les anciens, les jeunes qui viennent, les anciens, les jeunes, pour garder l'équilibre de l'équipe, pour ne pas créer des ennuis. Allez. Entre guillemets. Licence C, licence B, licence A,
finalement formé à la Confédération africaine de football, Pamphile Miayo va prendre la direction de l'Europe pour s'aguerrir encore. Et ça, ça reste un petit peu dans le sens d'une récompense de la fidélité de la personne de Pamphile Miayo aux couleurs noir et blanc et à la personne de Moïse Katumbi qui incarne à ce jour le TP Mazembe. C'est un grand homme, ces messieurs. C'est un grand visionnaire. C'est quelqu'un qui aime que ses anciens joueurs puissent être toujours heureux après leur carrière. Parce que même pour que je devienne entraîneur aujourd'hui, il avait aussi insisté, il avait dit un mot sur ça. Et je lui avais répondu, non boss, je rentre d'abord à la maison, je vais réfléchir. Et puis demain je viendrai. Je suis reparti de chez lui et le lendemain je suis rentré chez lui. Et je lui ai dit non, je suis d'accord avec toi. Je vais intégrer le staff technique. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais bon, à partir de ça là, c'est vrai, avec le coupe qu'on a donné à l'équipe, en Lina Foot, ça fait 3. Et en Confédération, une, sauf que j'ai raté, oh là là, plusieurs fois ça, c'est un des mauvais la Champions League. Ça, c'est la un des Champions mauvais souvenirs League, qui vous a habité. Justement, ça, c'est le plus mauvais souvenir dans ma carrière d'entraîneur. Mais bon, je c'est pas encore poser fini. La question je ne suis à la qu'au fin. Début. Je pensais suis... vous poser la question à la fin, mais je... vous avez précédé mes paroles. Vraiment, je ne suis qu'au début. Je ne suis qu'au début de ma carrière d'entraîneur. Inch'Allah, je gagnerai la Champions League. Peut-être avec Mazembe ou avec un autre club. Je gagnerai pour remplir et renforcer encore davantage mon CV. J'ai l'impression que l'entraîneur Pamphile Miayo m'extirpe les paroles de ma tête. Je me demande comment il fait, justement, avant d'en arriver à parler de vos études d'entraîneur que vous allez acquérir en Europe, bien évidemment, puisque le départ est annoncé par le site sous peu. Est-ce que vous avez pensé un jour, après tout, entraîner une toute autre équipe, avoir une toute autre expérience sur la scène africaine, peut-être, pourquoi pas la scène nationale? Ou vous vous êtes dit, comme beaucoup, je suis Mazembe, je vais me limiter à mes couleurs de cœur, le noir et blanc. Premièrement, je dis merci au chairman Moïse Katumbi Tchapou, et encore une fois de plus, pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, aujourd'hui, il le fait avec moi. Il a déjà fait avec les autres avant. Il a fait avec Santos Mutubile, qu'il avait envoyé aussi en Europe, chez Marseille, pour faire un truc pareil. Donc là, c'est mon tour. Et il le fera encore pour les autres. Donc, c'est vrai, je vais en Europe pour un stage. Un stage dans un club, un stage de formation, un stage d'expertise, d'amélioration, on peut appeler comme on veut. Donc, parce que les notions, nous les avons déjà, les notions, c'est juste voir autre chose. Je sais très bien qu'il y aura aussi de bonnes choses que je prendrai, que je garderai dans ma tête et je donnerai au club. Et après... C'est vrai, tu as parlé de Pamphile uniquement pour Mazembe. Il n'y a que Dieu seul qui sait tout. Dieu sait tout. C'est lui qui décide sur tout. Pour le moment, je suis là. Je vais dans le compte du patron de l'équipe, dans le compte privé du patron de l'équipe. C'est lui qui m'envoie en Europe. Et je suis obligé de revenir. Prêter main forte dans ce club qui est notre, le tout-puissant Mazembe. Et après, Dieu décidera de la suite et de ma carrière d'entraîneur. On est arrivé à terme de notre émission de Sur leur pas. Désormais, ce sera ça. Coach Pamphile, 3 minutes face à la caméra, les téléspectateurs, mais aussi les supporters du tout-puissant Mazembe Anglébert vous écoutent. Ils vous regardent. Mais surtout tous les Congolais qui s'attendent à revoir à nouveau la RDC qui voudrait faire un peu sienne cette Coupe du Championnat africain des Nations. Vraiment.
Je vous aime tous, tous les Congolais, tous les sportifs congolais, je vous aime tous des différents clubs. Je suis aujourd'hui entraîneur national, donc je ne dois pas avoir de couleur. Je suis votre entraîneur à tous et vous devez me soutenir tous pour que nous puissions faire de bonnes choses ensemble. Et puis, beaucoup plus de conseils de votre part me feront du bien et je crois qu'on fera quelque chose de bien. Et particulièrement à tous les supporters de Tout-Puissant Mazembe. Donc moi, je vous demande seulement de rester serein, de continuer à soutenir votre chère équipe, le Tout-Puissant Mazembe, pour que cette équipe-là continue à faire de merveilles dans ce pays et dans ce grand continent, l'Afrique. Donc, soyez toujours avec le staff technique qui est là présentement, prodiguez-leur des conseils, soutenez-le pour qu'ils puissent aussi faire mieux, parce que ça ne sera pas bon si notre chère équipe chute, ça ne sera pas bon. Donc Mazembe est habitué à être toujours au haut niveau, Mazembe est habitué au trophée, la Lina Foot est là, donc Mazembe doit gagner cette Lina Foot. Nous devons gagner tous ensemble cette Lina Foot et aussi la Champions League qui va arriver bientôt. Donc, plein de bonnes choses à notre équipe, le Tout-Puissant Mazembe, pour cette saison 2020-2021. Je vous remercie. Messieurs et dames, vous avez vu ce soir un profil Miaio sur l'angle que vous ne l'avez jamais suivi sur les médias. Nous allons dire donc merci au coach Pamphile, merci à l'entraîneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, des Léopards locaux. C'est un palier de franchi. On espère évidemment vous voir prendre les rênes de l'équipe nationale A. C'est par ici que l'on va mettre un point final de notre édition de Sur leurs pas. Ici, nous clôturons, nous partons. Merci à vous de rester avec nous. Merci au restaurant Anonima qui nous a offert ce cadre pour nous permettre de nous retrouver chez vous. Vous avez et connaissez déjà le rendez-vous tous les samedis sur les médias partenaires dans la nuit. Téléchargez sur GRM Sport News sur YouTube. Merci. Portez-vous très très bien chez vous.